Abonne-toi et active la cloche. Hello! Alors voilà ma commande HelloFresh. Alors il faut savoir que ça arrive tout frais, c'est aucun partenariat, j'ai payé ça 24 euros au lieu de 42 et je me suis dit pour une fois je vais tester. Alors on teste hein, et on verra bien. Alors c'est super bien emballé. Voilà, hein. C'est emballé, recyclé, devient un jeu d'enfant. C'est des cartons recyclables, ça c'est génial. J'ai trois menus. Donc déjà dans le menu, il y a une enveloppe comme ceci. Donc l'enveloppe, on va l'ouvrir. Je ne connais pas du tout, hein. Et je vous dis, c'est aucun partenariat parce que moi et les partenariats, non. Alors, nous avons sel à pleine saison au menu du 23 au 28 juin. C'est le menu de la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Il y a 16 recettes. Alors, si ça ne me plaît pas, ben, je ne commande pas. Piccata, croquettes, pain de viande. C'est ce qu'il y a la semaine prochaine. Bon. Salade de grenaille, salade asiatique. Pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît. Je peux me désabonner, hein. Je vais peut-être le faire tout de suite. Voilà. Alors, offre spéciale, il y a 10% sur les matelas. Il faut savoir qu'un matelas, ça coûte une blinde. Mais bon, c'est gentil. Bienvenue en 2021. Il y a beaucoup de pubs. Photo web. HelloFresh, partagez votre amour pour les bons petits plats maison. Ah, offrez 60 euros de réduction répartis sur les trois premières box. Recevez 30 euros de crédit. Votre prochaine commande. Bon, on verra. Le meilleur est dans votre assiette. Alors, pour l'instant, j'ai. Ah oui, voilà, ils expliquent. En fait, c'est à nous de cuisiner, hein. Donc, moi, j'ai commandé tortilla au porc, sauce sucrée salée. J'ai commandé fish and chip. De lieu noir. Alors ça, franchement, j'ai hâte de le manger. Et j'ai commandé des linguinés aux crevettes et aux courgettes poêlées. Ça, c'est vraiment mes recettes favorites. Alors, faut savoir qu'il y a tout. C'est familial. Et ils disent tout ce qu'il faut. Alors, comment il faut faire? Alors, enfourner les courgettes, couper et cuire les crevettes. Ils expliquent bien pas à pas. Moi, c'est celui-là qui me plaît. Alors, dedans. Il y a, et bien on va regarder. Allez. Ça, c'est les tortillas. Alors, il y a du chou blanc dedans. Vous voyez, je sais pas si, vous voyez comment c'est, hein. Il y a du chou blanc. Il y a des tortillas. Il y a, c'est quoi ça? Des deux filets de porc. Vous avez tout, hein, de fait. Hein. Le concombre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Vous allez voir. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Pas grave. Le concombre. Refusé pour l'instant. À chaque fois, on m'appelle quand il y a, voilà, le concombre. Là, vous avez des épices et du gomasio. Je ne sais pas ce que c'est. Des graines de gomasio. J'avais déjà entendu parler. Vous avez un petit peu de gingembre et vous avez un poivron rouge. Franchement, c'est des trucs qui sont super frais, quoi. Donc ça, c'est ma première recette. Voilà. Et en plus, c'est dans un petit sac comme ça en papier. C'est génial. La deuxième recette, c'est. C'est quoi la deuxième recette avec le fenouil? Ben je vais trouver tout de suite, hein, ce poisson. Oui, filet de lieu noir. Voilà. Avec de la menthe fraîche. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est un glaçon non toxique. C'est un glaçon qu'il y a dedans, c'est génial, mais c'est bien frais, hein, le carton, il est frais. Du fenouil. Alors là, vous avez la sauce. Ah, je pensais que c'était à moi de la faire, la sauce ravigote. J'étais trop contente. À consommer avant le 6 mai, non, le 6 mars 2021. Ah, j'étais persuadée que c'était à moi de la faire. Après, vous avez, c'est quoi ça? De la chapelure panko. Alors, vous avez juste le petit filet de pomme de terre qui est pour deux personnes. Le concombre. Et la carotte, alors là je pense que la carotte, j'ai jamais vu une carotte aussi longue de ma vie. La carotte, voilà, ça c'est le deuxième plat. Donc ce que je vais faire, je vais tout ranger dans mon frigo, comme ça. Voilà. Et la troisième, c'est les spaghettis à la linguine. Alors là vous avez les linguines qui sont dedans. Vous avez la crème fraîche épaisse. Waouh, yo, une courgette. Elle est énorme. Alors, franchement, on ne se fait pas avoir, hein, je vous le dis. Hein. Là, vous avez les crevettes. Alors, c'est bon jusqu'au 21 janvier. C'est bon. C'est ce que je vais faire en premier. Les crevettes crues en plus. Alors, ça, c'est top. Hein.
Justement, j'avais un doute. Est-ce que ça va être cru? Le glaçon, je vais mettre là. Le citron. L'ail, une tête d'ail. Il n'y a pas de gaspillage. Hein. Et ça, c'est tomate séchée. Voilà. Voilà. Et bien, pour tout ça, franchement, j'en ai eu pour que 24 euros. Vous vous rendez compte? Et là, vous avez vraiment comment faire. Alors, vous avez, faut d'abord mariner, préchauffer le four à 200 degrés, râper le gingembre avec une râpe fine, presser ou émincer l'ail. C'est quoi celle-là? C'est celle que j'ai pas envie de faire, ça. Si mon fils était là, ce serait top. Hein. J'ai pas envie de la faire, celle-là. Celle-là, je la fais déjà, mais je vais voir comment c'est. Alors, c'est enfourner les courgettes, la courgette au four. Ben, elle est énorme. Couper et cuire pendant ce temps, presser et émincer l'ail. Cuire les crevettes, préparer la sauce, mélanger les pâtes et servir. Mais la sauce, est-ce que j'ai une sauce qui va avec la... Eh bien oui, la crème fraîche épaisse. Alors ils disent, faites chauffer l'huile dans la même sauteuse. Nanana. Alors mes petits bretons d'amour, mes petits bretons d'amour, je peux maquiller. Hein. Mes petits bretons d'amour, franchement, je l'ai payé que 24 euros. Il y a trois colis, franchement, ça a à faire, ça a cuisiné, c'est génial. Et en plus de ça, mais pour tout le monde d'ailleurs, hein, pas que mes petits bretons que j'adore, pour tout le monde. Et en plus de ça, là, profitez, vous paierez que 24 euros, il y a 50% de 50 euros de réduction. Moi, ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai regardé, mais je pense qu'il n'y a pas, je vais encore regarder, il n'y a pas vraiment de recette qui me plaise pour la semaine prochaine. Du coup, délices sucrés pour fin gourmet. Pavé de saumon laqué et risotto aux champignons, papillotes de lieu noir et purée de patates douces. Ben déjà ça, les deux plats me plaisent bien. Et il faut que j'en choisisse un troisième. Filet mignon de porc avec son jus de cuisson, nouilles au bœuf haché, portobello, salade de grenaille, salade asiatique, conchigli au pesto rosso, blanquette de poulet. Alors, il y en a deux qui me plaisent. Troisième, croquettes de pois chiche, piccata, pain de viande au jambon serrano, crumble aux pommes et à l'épeautre. Alors, je vais peut-être prendre filet mignon de porc avec son jus de cuisson. Voilà, en fait, je vais peut-être commander. Mais si je commande là, je vais avoir un débit de 42 euros cette semaine. Mais je peux, si je veux, enlever. Voilà, je gère comme je veux. Je peux enlever, je peux stopper, je peux arrêter mon abonnement. Donc, je vais voir. Parce que, effectivement, ça me tente bien. Je vais voir. Parce que 42 euros, quand je vois que je dépense déjà, vous avez vu, quand je fais les cours, je dépense énormément. Et là, il faut savoir que c'est pour deux. Chaque plat, c'est pour deux. Donc, ça me ferait 6 repas. Donc, franchement, voilà, mais il faut cuisiner. Hein. Faut y aller. Hein. Celui qui m'inquiète le plus, c'est celui-là, à cuisiner. Et ça se trouve, c'est plus facile. Franchement, ça se trouve, c'est plus facile parce que les tortillas sont déjà là. Et je regarde les tortillas jusqu'à quand. Je sais pas, en tout cas, je vais tout ranger dans le frigo. Là, j'ai fait de la place, je vais mettre les trois, comme ça, j'ai tous mes trucs. Je suis trop contente. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Voilà, c'est pas du tout un partenariat, absolument pas, mais vraiment pas du tout. Je vais tout ranger dans mon frigo, j'ai fait de la place. Vous voyez, regardez, mon frigo, là, j'ai fait de la place. Et puis, d'ailleurs, il faudra que je nettoie. Et puis, ben, je cuisinerai. Voilà. Bon, ben, je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you. Je les bédis, je t'ai qui elle au tiamo. Ceux qui ne sont pas abonnés, enfin, ceux qui ne connaissent pas les Bretons, abonnez-vous aux Bretons. Ils sont trop mignons, je vous assure. Ils sont trop choupinous, je les adore. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou. Et surtout, je fais un gros bisou à Chris, mon monteur. Gros bisous à toi. Tu sais que je t'adore. Bye bye, ciao, I love you, je t'ai béni, je t'ai quiero, ti amo. Abonne-toi et active la cloche. Abonne-toi et active la cloche.